Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de Jacobinic TV. Avec vous, monsieur Youssef Dallaj, je vous propose des activités pour apprendre la langue française dans 5 minutes. Voici une activité. Il s'agit de comprendre l'adjectif qualificatif. On sait déjà que l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom. Alors, il y a deux types, il y a épithète et attribut. Alors, l'adjectif qualificatif est placé près du nom, soit avant, soit après. On appelle l'adjectif qualificatif épithète, comme l'exemple de nuage gris, le vent chaud, les pieds nus, la vieille banquette usée, une terrible frayeur, une chaise longue. Voilà. Alors, il y a toujours un adjectif soit placé près du nom, soit avant le nom, soit après le nom, et constitué avec le nom un groupe nominal. Attribut. L'adjectif qualificatif attribut est relié au nom par un verbe d'état, comme l'exemple de verbe être. L'acrobate est agile sur son fil. Les jambes ou ses jambes sont maigres et son tronc est développé. Ses yeux sont immenses. Voilà. Alors, il y a deux types d'adjectifs qualificatifs. Épithète, c'est-à-dire qui se place avant ou après le nom. C'est un constituant facultatif du groupe nominal. Et attribut qui est obligatoire. Qui est obligatoire au groupe verbal, bien sûr. Alors, voici un exercice vraiment simple. Il nous demande tout simplement de souligner l'adjectif qualificatif des textes suivants et encadre le nom dont il précise le sens. Tistou avait les yeux bleus et les joues roses et fraîches. Les grandes personnes, celles surtout qui ont de larges narines noires, des rides sur le front et des poils dans les oreilles. Embrasse tout le temps les petits garçons aux joues fraîches. Elles disent que ça fait plaisir aux petits garçons. C'est surtout à elles, les grandes personnes, que cela fait plaisir. Tistou avait les yeux bleus et les joues roses et fraîches. Les grandes personnes, celles surtout qui ont de larges narines noires, des rides sur le front et des poils dans les oreilles. Embrasse tout le temps les petits garçons aux joues fraîches. Elles disent que ça fait plaisir aux petits garçons. C'est surtout à elles, les grandes personnes, que cela fait plaisir. Alors, après la lecture de ce texte, on doit souligner les adjectifs qualificatifs du texte suivant et encadre le nom dont il précise le sens. Alors voilà. Je viens de souligner les adjectifs qualificatifs, mais on va découvrir ensemble les adjectifs qualificatifs épithètes ou attributs. Par exemple, Testou avait les yeux bleus et des joues roses et fraîches. Alors, ces trois adjectifs qualificatifs sont épithètes. Les grandes personnes sont surtout qui ont de larges narines noires. Alors, grande et large et noire, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Les petits garçons ou joues fraîches, petit et fraîche, c'est la même chose, épithète. Petits garçons, petit et grande, épithète aussi. Alors, tous ces adjectifs que vous voyez, sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Mais parfois on peut avoir des adjectifs qualificatifs attributs qui relient au nom par un verbe d'état, comme l'exemple de verbe être. D'accord? Alors ce type de texte est descriptif, surtout. Voilà, les 5 minutes sont écoulées. Merci de votre attention.
à la prochaine vidéo.